Bonsoir les amis, dans ce tutoriel concernant Angular, je vais traiter principalement les versions d'Angular, de la version 2 jusqu'à la version 7. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces versions, je vais me contenter de mettre l'accent sur tout ce qui est commun entre les versions, parce que comme vous savez, ces versions-là, ils n'ont pas des grandes différences, à moins quelques petites modifications. Donc moi, je vais me concentrer principalement sur tout ce qui est Angular. Je ne vais pas traiter AngularJS, la version 1. Pour ceux qui ne connaissent pas AngularJS, AngularJS, c'est la version 1 de Angular. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais la différence, c'est qu'il y a pas mal de changements par rapport à la nouvelle version Angular. Pour les nouvelles versions, à partir de la version 2 de Angular, on dit Angular. La version 1, le nom AngularJS. Même le nom est différent un peu. Donc normalement, pour ce tutoriel, je vais essayer de vous montrer quelques petits exemples d'Angular. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer chaque point. Chaque point. Après, s'il y a des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vais faire des vidéos spécifiques par rapport à ce que vous demandez. Maintenant, je vais passer le tour d'Angular. Les fonctionnalités les plus utilisées d'Angular, etc., etc. Donc, on commence. Normalement, pour utiliser normalement Angular, vous devrez d'abord installer. Moi, je ne vais pas traiter l'installation d'Angular tout ça, mais je vais vous dire comment utiliser Angular. Normalement, bon, il faut installer sur le site officiel de Node.js. Entrez Node.js. Site officiel, vous installez d'abord Node.js. Et lorsqu'on installe Node.js, normalement, la dernière version, c'est la version 10. ETS, c'est préférable de télécharger cette version ETS. ETS, ça veut dire long shipper. Long shipper. Pour la version courante, c'est pas encore. Donc, c'est préférable toujours de. Pour n'importe quel livret, c'est préférable d'installer cette version ETS. C'est pas seulement pour Node.js. Après avoir installé Node.js, vous mettez la commande node.v pour voir si Node.js est déjà installé. Oui, pour moi, c'est déjà installé. Donc, si c'est déjà installé, il y a la commande node.v qui vous montre la version. Pour moi, j'utilise la dernière version stable de Node.js qui est la version 10. Par rapport, ça c'est pour les personnes qui sont sur un environnement Linux, ils devront installer à l'exe, après suivant, c'est pas compliqué. Pour les personnes qui sont plutôt sur Windows, ils téléchargent l'exe et l'installent. Pour les personnes qui sont sur Linux, il suffit de faire la commande, par exemple, apt-get pour une distribution. Install Node.js. Je pense que c'est Node.js. Après, il y a juste un autre paquet qui vous installe Node.js. L'installation de Node.js provoque également l'installation de npm. Npm, normalement, c'est juste une dépendance de JavaScript. Comme vous savez, pour PHP, il y a Composer, pour Java, il y a Maven. Donc, EPM, c'est lui qui gère les dépendances côté front-end, principal, seulement pour JavaScript, mais tout ce qui est en relation avec le front-end. Pour ceux qui ne connaissent pas NPM, normalement, il y a NPM, PMJS. Sur ce site officiel, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Vous pouvez trouver les librairies que vous cherchez. Vous pouvez taper ici, par exemple, ce que vous voulez. Après, Angular, même si c'est ce point pas, mais vous pouvez trouver. Il y a même Angular. C'est pour cela qu'on devrait installer NPM. Parce que via NPM, on peut utiliser Angular. Pour moi, c'est ma machine, comme je ne veux pas gaspiller beaucoup de temps dans l'installation, parce que l'installation n'est pas très compliquée. Donc, cette vidéo-là est spécialement faite pour formation d'Angular. Donc, pour la même chose.
pour vérifier que IPv installé, pour faire IPM-V. Oui, désolé. Oui, IPM-V. Et j'utilise la version 6 de IPM. Je pense que tout est bon pour moi. Pour la création d'un projet, moi franchement, j'ai déjà créé deux projets. J'ai déjà créé deux projets. Il y a le projet mailing app normal, c'est un projet normalement que j'ai essayé de prendre à partir de la documentation officielle d'Angular en anglais. Après, j'ai fait un autre projet. Je vais essayer de faire à mesure de montrer ce que j'ai fait. Et vous montrer par rapport à la documentation. Pour ne pas gaspiller du temps, je pense qu'on va passer directement à la formation Angular. Donc, on va entrer le site de Angular.io qui est le site officiel. Ça, c'est le site officiel de Angular. Normalement, si on entre, ça, comme vous voyez, comme j'ai dit, il faut d'abord installer Node.js et via NPM, vous pouvez installer Angular. D'ailleurs, plutôt pour utiliser Angular, il y a d'autres manières de faire. Et je pense pour moi, pour la meilleure, la plus pertinente, c'est d'utiliser Angular CLI. Pour les personnes qui ne veulent pas utiliser Angular CLI, vous pouvez entrer sur GitHub. Vous pouvez télécharger un projet de démarrage. Angular site, je pense qu'il y a un projet sur GitHub qui s'appelle Angular site. Et Angular site, je pense Angular série. Vous pouvez le cloner. Ah oui, c'est ce projet-là. Normalement, ce projet GitHub, il vous donne comment dire un projet démarrage, c'est-à-dire un projet pour utiliser Angular sans passer par Angular CLI. Donc vous pouvez le cloner, vous pouvez même télécharger, vous pouvez utiliser Git, vous pouvez le cloner. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Git, vous pouvez faire comme ça, Git clone. Et vous pouvez mettre ça. Après vous cliquez sur Entrée, pour moi je ne vais pas l'installer, mais ça devrait marcher, ça marche de cette manière. Pour ceux qui n'ont pas Git installé sur leur machine, vous pouvez le télécharger, ouais, dans la zip, hein, comme vous savez. Pour moi, je vais pas entrer en détail sur le projet Angular site parce qu'il est dernièrement on utilise principalement Angular série. Pour moi, j'ai déjà installé tous les utils. Donc, pour moi, j'ai déjà installé Angular série. Donc pour l'installer, il faut mettre la commande npm install Angular CLI. Après, pour créer un nouveau projet, il faut mettre, par exemple, pour moi, j'ai fait par exemple ng pour les deux projets que j'ai. Projet forme, c'est-à-dire pour moi, j'ai fait comme ça. ng. La commande, c'est ng. Ingenio my app. J'ai fait, par exemple, pour mon cas, j'ai fait projet forme. Projet. C'est tout. Après, j'ai cliqué sur Entrée, je ne vais pas le créer une deuxième fois. Donc, pour voir toutes les commandes de Angular Série, je pense qu'il faut faire ng-help. Ng-help, je pense que c'est moi aussi, j'utilise toujours la documentation. Parce que c'est difficile de se rappeler de tout. Donc, tic-tac, tic-tac. Je pense, oui, il y a même la liste des commandes, hein, dans le site officiel. Liste des commandes en Angular CLI. Après avoir installé. Oui, ng-help, oui, c'est comme j'ai dit au départ. Ng-help. Ng-help. Vous pouvez voir la liste des commandes. Mais principalement, en bref, on utilise Angular CLI pour créer d'abord le projet. On le crée une seule fois. Après, il y a d'autres commandes qui sont très utilisées et d'autres commandes qui ne sont pas très utilisées. Pour ma part, en tant que développeur Angular, j'utilise principalement ng-serve pour lancer le serveur de développement. J'utilise également ng-generate
normalement pour créer des composants, pour créer des, par exemple, pour créer par rapport, par exemple, sous fichier là, j'ai créé des composants, un component pour le footer, un component pour le header. Donc je fais comme ça et j'ai generate. Pour generate, vous pouvez écrire generate comme vous pouvez écrire seulement g, c'est le raccourci. Et generate components, vous pouvez écrire components comme vous pouvez écrire seulement c. Après vous donnez par exemple le nom de components, nom components, et vous cliquez sur entrée. Je vais créer d'autres components, parce que je vais créer un component pour avoir un g c, exemple testing. Je clique sur entrée. Et c'est bon, vous voyez, c'est déjà bon. La création d'un component égale à la création d'un fichier HTML, la création d'un fichier TypeScript, TS est pour spécifier TypeScript, et la création d'un fichier CSS. On peut le voir, je pense qu'on a déjà, oui, je pense qu'on a déjà le component déjà prêt. Ça, c'est un exemple, tester mon work. Et ça, normalement, c'est la classe principale. Ce que je peux vous dire par rapport à ces classes, d'abord, c'est la plupart, ils implémentent l'interface onInit. Normalement, vous pouvez voir onInit comme une sorte d'initialisation de la classe. Au moment du chargement de la classe, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme une sorte de constructeur, mais le constructeur, on l'utilise principalement pour l'injection de dépendance. Par exemple, si je veux injecter par exemple un service, etc. Si je veux, j'ai des services, j'ai déjà créé des services. J'ai des services user, user.service. Si je peux l'utiliser dans ce component là, il faut faire comme ça. Il faut public ou privé, c'est ce qu'on voulait. Le nom. Nom du service, par exemple user service. Après, il faut mettre le type. Je pense qu'il y a une erreur parce que il faut l'importer. Pour l'importer, il faut mettre un port user service. Ce vidéo là, il est un peu générique. Je vais pas entrer en détail de chaque component. Après, je pense que je vais faire des vidéos qui traitent de les fonctionnalités de Angular pour chaque vidéo. Par exemple, je vais faire une vidéo pour traitement des formulaires et validation, une vidéo pour tout ce qui est protocole HTTP pour consommer des web services via les APLS, et ainsi de suite. Je vais faire une vidéo spécifique à chaque fonctionnalité. Et je vais principalement travailler avec la dernière version. Maintenant, actuellement, c'est la version 7. On a la version 7. Je pense ça. Et vous l'importez. Je pense ça, c'est bon. Pour ceux qui connaissent, j'ai mis les deux points parce que le service J a la racine du projet. Alors que moi, je suis ici. Donc, finalement, de faire les deux points pour revenir en arrière. Donc, ça. C'est une manière de faire l'injection de dépendance dans un contrôleur. Pour ceux qui ont fait un peu Java PHP, ils connaissent, je pense, déjà l'injection de dépendance. Je ne vais pas entrer beaucoup de détails de ce principe, de ce paradigme. C'est bon. Donc ça, c'est pour utiliser un service. Ce que je peux vous ajouter d'autre, par exemple, qu'il y a ça pour la partie vie. Pour la partie vie, par exemple, parce que quand je vais démarrer, je pense que c'est un. Bon, on n'a pas fait des choses très importantes, donc. Attends,
Je vais revenir au ce démo après. J'ai créé ce démo seulement pour vous montrer comment dire l'utilisation de ng-generate. Voyez. Et si vous voulez éventuellement voir les options pour une commande pour ng-generate, par exemple, on va voir ce que. Oui. On peut générer, comme je t'ai dit, on a déjà généré un component, on peut même générer une directive. Une directive pour les personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire une directive. Pour les personnes qui connaissent, je pense, qui ont déjà fait un peu de AngularJS, je pense qu'ils connaissent déjà ce que ça veut dire, ça veut dire une directive. Mais une directive, en bref, c'est une sorte. Dans Angular, c'est une sorte de classe. L'on met avec le décorateur directif qui permet de modifier le DOM, c'est-à-dire de modifier le HTML, de modifier même le comportement du DOM, et pour même s'agir en répondant à certains événements. Mais en bref, il modifie le DOM, ça veut dire on peut écrire une directive, par exemple, qui peut par exemple changer la couleur, par exemple, d'une table, lorsqu'on, par exemple, lorsqu'on met la souris, par exemple, sur un monnaie, quelque chose comme ça. Et directive utilise dans pas mal d'endroits l'utilisation directive très très pour l'utiliser n'importe où. À chaque manière, à chaque fois qu'on a besoin de changer le comportement du dos du HTML, on peut utiliser une directive. Application, je pense qu'on a créé directive inim, c'est une sorte de classe, une sorte de classe qui redonne un itérateur. Une classe où on a pas mal de choix. Principalement, on l'utilise pour le select, par exemple. Pour le select, on a beaucoup de choix. Donc, parfois, on peut utiliser une pour mettre, par exemple, le choix d'un select. Il y a, par exemple, pour le sexe, pour mettre mâle, pour mâle, etc. etc. Pour logart, c'est une sorte de service qui est utilisé principalement pour l'authentification. Pour sécuriser certains URL et tout ça, pour l'interface, module, je pense, oui, désolé, j'ai oublié de parler des modules. Normalement, Angular se base sur deux notions très importantes. C'est la notion du module et la notion du component. L'application Angular, il est découpé en modules et chaque module peut avoir beaucoup de components. Le fichier principal de Angular, c'est app.module. Dans ce fichier-là, on importe tous les modules dont notre application a besoin pour fonctionner. D'ailleurs, pour l'avantage de Angular CLI, c'est qu'à chaque fois que vous créez un component, c'est automatiquement il l'ajoute dans la partie déclaration. Déclaration, ça sert principalement à déclarer les components qu'on a dans l'application. Et ce décorateur-là, ng-module, qui contient toutes les informations de ça, app.module, c'est le fichier principal, d'une application Angular. Import sert principalement pour importer les modules externes. Principalement, et après aussi importe tout ce qui est l'outil, tout ce qui est digéré, tout ça. On a même un fichier spécifique pour les routines. En bref, les routines servent, par exemple, pour chaque URL, il dit qu'il comprend utilise. Par exemple, pour l'URL user, on va utiliser le component user form component. Pour l'URL dashboard, on va utiliser le component dashboard component. Can active, je pense que je viens de vous parler des cartes. Can active, normalement, il dit à Angular que si tu aurais la dashboard, pour l'accéder, il faut que l'utilisateur soit authentifié. Et on utilise HotGuard, c'est une sorte de service, comme je vous ai dit, qui implémente une interface qui s'appelle Can active. Je pense que je vais consacrer une vidéo prochaine principale pour l'authentification. Pour le moment, je vais vous donner seulement ce qu'on peut faire avec les gardes.
Normalement, lorsqu'on implémente cette interface, il faut définir la méthode, surcharger la méthode Galaxy. Normalement, cette méthode-là, elle retourne un boolean. Par exemple, dans cet exemple-là, on teste si l'utilisateur est déjà authentifié. S'il est authentifié, il peut accéder à la page. S'il n'est pas authentifié, il ne peut pas accéder à la page. Ça, en bref, je ne vais pas entrer en détail de cette spécification. Maintenant, ce vidéo-là a pour vocation de parler d'Angular d'une manière générale. Je pense dans cette vidéo-là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez apprendre le démarrage, toutes les bases d'Angular. Ce que je peux, je pense, surtout par rapport à Guard, interface module. On peut retourner au fichier module, qui est le fichier le plus important d'une application Angular. J'ai parlé des helpers, on importe le module là. Pour ce syntaxe, normalement, ça dépend. Pour les personnes qui connaissent déjà un peu ECMAScript, c'est un syntaxe. Moi, je conseille les personnes qui regardent ces vidéos, qui ne connaissent pas ECMAScript, de faire un tour sur ECMAScript. S'il y a des personnes qui veulent voir des vidéos spéciales pour ECMAScript, je peux le faire intérieurement. Il peut laisser des commentaires sur la vidéo et je peux faire des vidéos spéciales pour ECMAScript 6. Normalement, le principal de ECMAScript 6, c'est on importe, c'est-à-dire avant, ça, il y a deux manières d'importer les fichiers sur JavaScript. Il y a le nouveau syntaxe là. Et il y a Require. Pour ceux qui ont fait un peu Node.js, je pense qu'ils connaissent déjà Require. Mais ces derniers temps, on utilise principalement ce syntaxe. Ça, donc, on apporte tous les modèles et tous les composants qu'on a créés ici. Après, pour le provider, normalement, c'est principalement à déclarer les services qu'on a dans l'application. Cette application, exemple, on a créé deux services. Hotguard, comme je dis, c'est un service. User service. Et Bootstrap, normalement, ça sert à dire au Angular, on va, par exemple, notre application, c'est l'initialisation de l'application ou le démarrage de l'application, va commencer sur quelle composante. Donc, le démarrage d'une application va d'abord commencer par le component app component. Et à la fin, on exporte cette classe pour une utilisation intérieure dans une autre classe. Ça, en bref. Module pipe, ceux qui utilisent pipe, pipe c'est une sorte de filtre. Il est utilisé principalement par exemple, je pense que j'ai déjà un exemple ici de pipe, je vais vous montrer. Pipe. Je vais montrer seulement l'utilisation de pipe. Je pense que je me rappelle que j'ai déjà créé un pipe ici. Mais il sert un filtre. On l'utilise principalement dans la vue. Par exemple, on a cette vue là. On affiche un variable par exemple. Ça c'est le syntaxe qui s'appelle interpolation. Je vais le traiter lorsque je traite pour les vidéos consacrées au templating dans Angular. Dans Angular, il y a quatre manières pour le data binding. Il y a le string interpolation qu'on voyait, il y a même il y a data binding unidirectionnel et le data binding bidirectionnel. Je vais traiter ça pour les vidéos à venir. Pour le moment, je vais vous montrer seulement comment on utilise le pipe. On utilise de cette manière. Le pipe ou filtre pour les personnes qui ont fait un peu, par exemple, de Symfony, ça c'est un filtre. Par exemple. Parce que moi j'ai fait un peu de Symfony avant, c'est un filtre. Par exemple, name pour dire uppercase.
Ça, c'est un peu. Après, Anguilla, pour une offre certains pipes. Après, ils nous donnent même la possibilité de créer notre propre pipe. Je me rappelle que j'ai déjà créé un pipe, mais je ne me rappelle pas exactement de sur quelle application. De toute façon, utilise de cette manière. Après, on peut même utiliser notre propre type, notre mon pipe. Je vais créer un pipe. Et je génère pipe. Mon pipe. Et c'est bon, on a déjà créé le pipe. Si on revient à notre application, je pense qu'on va trouver la classe mon pipe, oui. Pour les personnes qui posent la question par rapport à point spec, normalement il utilise principalement pour les tests unitaires. Parce que normalement chaque fichier, il y a le fichier, il y a le guard, il y a le point spec. Point spec pour les tests unitaires, et ça pour le traitement de la classe. La même chose pour les services, tout ça. Chaque fois que vous créez un compose ou un compose via la Angular série, il vous crée le spec. Ça, c'est un pipe. Normalement, pour déclarer une classe comme pipe, il faut utiliser le décorateur @pipe. Après, on donne le nom du pipe. Après, il faut implémenter pipe transform. Cette interface là qui est pour vocation de transformer les données, c'est-à-dire de cet exemple-là, si on reçoit le nom, il faut que l'on transforme. Par exemple, pour une chaîne de caractères, on peut faire pas mal de traitements. Par exemple, le rendre majuscule, c'est on peut même chercher un mot, etc., etc. Ça, en bref, donc ça marche comme ça. Les services, je pense que déjà on a déjà traité pour service worker. Ça ressemble un peu au service. J'ai pas fait beaucoup. Je pense que je peux revenir dans ces deux nouveaux fonctionnalités intérieurement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de Angular. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Je pense que c'est ça. L'architecture d'un projet Angular, c'est ça. Je pense que je vais vous montrer certains autres fichiers qui sont un peu intéressants. Index.html, c'est un fichier de démarrage pour les personnes qui s'intéressent un peu comment, par exemple, utiliser Bootstrap dans une application Angular. On peut l'utiliser de cette manière. L'ajoute sur le dossier asset. Le dossier asset, c'est utilisé principalement pour mettre tout ce qui est CSS, tout ce qui est image. Ce dossier-là. Hop, tic-tac, tic-tac. On a assets, oui. Déjà les images, on peut mettre les images ici. Et on peut. Et il y a le fichier Bootstrap pour faire un peu du design facilement. Ce qu'il y a d'autre dans Angular main.polyfile. Pour ceux qui ne connaissent pas les polyfiles, normalement, comme vous le savez, ECMAScript 6 n'est pas supporté, au même JavaScript n'est pas supporté partout au niveau de la data. Donc, ces polyfiles-là, il essaie d'ajouter des fonctions pour les vieux navigateurs. C'est ça, pour que les fonctions ECMAScript marchent. Et d'ailleurs, on utilise Angular, il intègre déjà Babel, qui permet de convertir ECMAScript 6 et ECMAScript 5. Qui est compris par la plupart des navigateurs. Ça, ici, test pour tout ce qui est test unitaire. Les lignes pour les lignes, normalement, il est saisi pour comment dire pour vérifier le syntaxe de TypeScript ou de JavaScript de manière générale. Il y a des outils qui permettent de gérer ce genre de truc. Je pense que je vais revenir dans mes prochaines vidéos. Ça, je pense qu'on a fait le tour. Git signal package.json, je pense utilisé par npm.
Par exemple, pour une application Angular, ça c'est une librairie. Et comme vous savez, il y en a beaucoup de librairies. Même pour les charger, ça demande beaucoup de temps. Donc, pour gagner du temps, parfois lorsqu'on veut par exemple transférer au serveur une application Angular, on le transfère sans cette répertoire-là qui est un peu pesant. Via ce package point JSON de npm, on peut télécharger tout ça. Il suffit de faire la commande npm install et npm va lire le fichier package.json et va télécharger tous les librairies Angular et tous les autres librairies, soit les librairies de développement. La différence entre des points DC et des points DC, c'est que ça est utilisé en mode prod. Et ça pour les librairies qui aident le développeur par exemple à débugger le code, par exemple Jasmine pour les tests unitaires, TypeScript Node pour TypeScript, etc. TS Linux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? TS Linux, TS Config, c'est pour le paramétrage de TypeScript. Un fichier spécial pour TypeScript. Package lock, c'est normalement. Ça ressemble un peu au package JSON, mais il prend exactement la version exacte de chaque libraire. Par exemple, pour cette librairie-là, on prend exactement la version 0.13.3. On n'installe pas une nouvelle version. On installe exactement cette version. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Angular.json. Angular.json, normalement, il sert à décrire le projet Angular. Décrire normalement, par exemple, le fichier CSS, les sites où il peut décrire également d'autres pattes, par exemple, pour la commande serve qu'il utilise normalement cette librairie-là. Pour l'internalisation, pour test et pour test pour karma. Karma est utilisé pour les tests. Et je pense, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Normalement, c'est un vidéo un peu généraliste. Donc, j'ai essayé de vous montrer les fonctionnalités de Angular et les librairies utilisées par Angular de manière générale et comment démarrer un projet Angular. Pour les détails, il se peut que d'autres vidéos. Donc, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je pense c'est déjà suffisant. Merci beaucoup, les amis. Et on se dit à d'autres rendez-vous.